Ok, donc dans cette vidéo, on va parler de différents tags qui existent dans le body, dans le corps de notre page. Ok, on va parler des titres et des paragraphes. Donc pour ce faire, on va essayer de mettre en parallèle notre code et notre navigateur. On va ouvrir la page directement en cliquant dessus index.html. Voilà. Et voilà notre éditeur de code. Ok, donc là j'ai mon code et là j'ai son résultat dans le navigateur. Vous voyez, juste pour vous montrer que c'est bien ça. Si j'écris page numéro 1 par exemple, j'enregistre et ici je rafraîchis. Voilà, contenu de notre page numéro 1. Ok, donc maintenant parlons des tags qui peuvent exister dans le body. Le tag le plus connu pour écrire du contenu, c'est le tag pi, comme paragraphe. Ok? Là, on peut écrire paragraphe 1. On n'a même pas besoin de le mettre directement, on peut l'écrire directement comme ça. Okay. Une chose importante que je voulais vous dire, c'est pour que votre code soit plus facile à lire, je vous conseille vraiment de l'indenter. C'est-à-dire quoi l'indenter? Vous voyez que le premier tag, il sera écrit le plus à gauche possible. Ensuite, les tags qui contiennent, là comme head, ils sont décalés par rapport à ce tag HTML. Donc ça me fait comprendre que le tag head se trouve dans le tag HTML. La même chose pour le tag title. Bon là j'écris gros donc il peut pas aller à la ligne, mais regardez si je diminue la taille, voilà ce que ça donne. Ok? La même chose pour le tag p, il est indenté par rapport au tag body. Comment je fais cette indentation? Je me mets là, voilà, pour reprendre par exemple s'il était là, et je fais des tabs. J'appuie sur la touche tab. Okay. Pour revenir en arrière, c'est Shift Tab. Voilà. Revenons à nos moutons. Ok, donc ça, c'était pour le paragraphe 1. Maintenant, on peut en mettre autant qu'on veut. Je vais mettre paragraphe 1, juste pour vous voir, on va en mettre plusieurs. Je vais faire des copier-coller, ce sera plus rapide. Voilà, paragraphe 4. Voilà, maintenant on va rafraîchir notre page et les voilà nos paragraphes. Paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4. Comme il s'agit de tags différents et donc de paragraphes différents, il a su directement les mettre à la ligne, les uns à la suite des autres. Ok? Donc ça c'est ce qui est pour du tag paragraphe. Il y a aussi un autre tag connu dans le HTML, c'est le tag heading, pour dire un titre. Ok? Par exemple, ça va de H1. Okay, on va l'appeler directement heading 1. Même fait intro. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est H2, H3, H4, H5, H6. Ok, ça va de H1 à H6. 3, 4, 5. Et 6. Et 6. Voilà, on enregistre et on rafraîchit. Et vous voyez ce qui s'est passé? Ici, il a su directement nous faire comprendre que c'était des titres et les a écrits plus gros qu'un paragraphe standard. Okay? Donc, bien entendu, le H1 sera plus gros que le H2, qui sera lui-même plus gros que le H3, et ainsi de suite. Voilà. Voilà ce qui est pour des paragraphes et des titres. Faut savoir que HTML5, okay, qui est la dernière version du HTML aujourd'hui, a amené avec lui énormément de nouveaux tags sémantiques. C'est quoi des tags sémantiques? C'est-à-dire que depuis le tag, je sais ce qu'il va contenir. Par exemple, j'aurai les tags header dans lequel je vais mettre ce qu'il y a dans mon en-tête. Ensuite, j'aurai le tag footer, par exemple. Okay? Tous ces tags-là sont des tags sémantiques qui aident en plus les robots de Google à bien indexer notre page, à comprendre où est quoi. Okay? Parce que ce tag-là, il lui dira bien, là, tu as le header de ta page et là, tu as le footer de ta page. Voilà en ce qui concerne les tags les plus répandus du body.